Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors on s'agite encore autour des dérapages des uns, des dérives des autres, très très loin des réalités de ce monde. Le Parisien, le cas Morano, l'Obs, le phénomène Onfray. Décidément, la presse magazine d'ailleurs est prévisible ce matin. Le Point, photo de François Hollande, ruses et manipulations du nouveau Machiavel. Et si à la fin, c'était encore lui. Et puis, Valeurs Actuelles, les guignols de l'écologie, où l'on apprend que le réchauffement climatique, ça n'existe pas, que tout va bien, on va pouvoir continuer à consommer, à piller les ressources. En face, Paris Match lance l'appel pour la Terre du prince de Monaco avant la COP21. Bah, histoire de se souvenir de quelques réalités, l'extinction des espèces marines ou les 9 millions de tonnes de plastique déversées chaque année en mer. À vos calculatrices et à vos loupes, on plonge dans la loi de finances, le budget. Oui, elle occupe ce matin en fait la plupart des unes. Hein. Les Échos, la France, mauvais élève de l'Europe sur le déficit. Le Figaro, un budget 2016 sans ambition ni vraies économies. La Croix, un budget 2016 sans relief. L'Opinion, budget 2016, mais où sont les économies et l'humanité, l'injustice sociale et fiscale jusqu'au bout du quinquennat. Les commentaires ne sont pas vraiment tendres. Hein. Rassurez-vous, lance Pierre Cavret dans Ouest France, la dette insupportable pour les générations du futur continuera à grimper, gonflée par notre propension à vivre depuis des lustres au-dessus de nos moyens. Dans l'opinion, Nicolas Bétou rappelle que le budget de l'État, c'est quand même l'acte politique le plus important de l'année. Celui-ci, explique-t-il, dit tout de ce que sera la fin du quinquennat. Il ne se passera rien de saillant. Le budget 2016 se contentant de prolonger le trait mou tracé par le gouvernement depuis 2 ans. Mais à lire le portrait de François Hollande par Emmanuel Beretta, oui, comme le flingue, dans Le Point, tout cela a nettement moins d'importance que les petits calculs pour 2017, un portrait d'ailleurs plein des amabilités habituelles, vous savez, alors Jérôme Cahuzac, Hollande, 2 mm d'humanité, le reste c'est de la glace bleue avec un pilotage politique à 10 jours. Jean-Luc Mélenchon, Hollande arrachait les ailes des mouches quand il était gamin. Bref, de la très haute politique. L'autre sujet du jour, c'est évidemment la situation en Syrie. Mais oui, pendant ce temps, les tempêtes de ce monde arrivent jusqu'à nous et l'Obs publie les bonnes feuilles du livre d'un transfuge syrien chargé de photographier les victimes du régime de Bachar al-Assad, parce que dans cette organisation, en fait, tout est méthodique. On répertorie les morts, on leur attribue un numéro. Alors ce sont des cadavres d'étudiants, de chefs de chantier qui ont eu le malheur de manifester. Ils ont été torturés, affamés, ils ont les yeux arrachés. Après la lecture de ce livre, écrit l'Obs, la tentation d'un dialogue qui légitimerait le pouvoir du président syrien semble obscène. La journaliste Sarah Daniel précise que ce transfuge et ses photos, authentifiées, précisons-le, par des experts de l'ONU, sont arrivés au Quai d'Orsay de Laurent Fabius par le Qatar. Mais il n'y a sans doute aucun lien entre ce livre et l'opposition farouche du Qatar à une puissance syrienne soutenue par la Russie. Les morts, eux, sont des pions sur cet échiquier. Et parmi les morts, il y a des migrants qui n'ont pas pu arriver jusqu'aux côtes européennes. Voilà, et les migrants occupent toujours la presse, mais le texte qu'il faut lire ce matin livre en fait une réflexion plus vaste, parce que littéraire. Parce que sur la langue. Dans les pages débat du Figaro, Olivier Rey, philosophe et mathématicien, réfléchit au choix de ce mot « migrant » et à son antonyme, aujourd'hui totalement oublié, « manant ». Le « manant » du verbe latin « manere », rester, séjourner, habiter, persister, désignait au Moyen-Âge une personne dont l'existence et le statut étaient liés à l'endroit dont elle était originaire. C'est aujourd'hui un mot méprisant. Dans un environnement qui change à grande vitesse, écrit Olivier Rey, celui qui ne suit pas le mouvement ne fait qu'accumuler du retard. Celui qui demeure sur place devient un demeuré. Et pourtant, les manants, dit-il, ont gardé au fond d'eux cette ambition, sans doute étriquée, de perpétuer le monde dans lequel ils sont nés. En utilisant le mot migrant pour désigner les nouveaux arrivants, les élites européennes croyaient bien faire, quoi de plus positif pour elles que de caractériser les êtres par leur mouvement. Bah oui, mais ça n'a pas convaincu les populations, alors on a choisi le mot réfugié. Et là, Olivier Rey dit quelque chose d'important. Les réfugiés sont des manants d'autres pays, chassés de chez eux par une catastrophe, envers qui les gens d'ici peuvent donc se montrer solidaires et accueillants. À travers cette réflexion sur les mots et leur sens, Olivier Rey dresse l'éloge de cette partie de l'humanité la plus humble, qui lui donne son assise et donc les forces nécessaires pour enfanter du nouveau. On retourne dans Le Point à présent pour parler d'écrits controversés. Oui, parce que Le Point consacre un article à la republication du livre de Lucien Rebattet, Les Décombres, best-seller antisémite de l'occupation. Un texte nourri de toutes les haines de son auteur, alors contre la
dégénérescence bourgeoise du régime de Vichy contre l'armée française peuplée de femmes lettres, quand l'uniforme allemand, lui, incarne la puissance. Donc un texte totalement ignoble d'un authentique nazi. Alors fallait-il le republier ? Eh bien, il y a ceux qui parlent d'une appétence de l'époque, une appétence dangereuse pour les salauds, qui se méfient. Et puis il y a l'écrivain Fabrice d'Almeida qui pense que le pouvoir de conversion de ce genre d'œuvre a été détruit et que donc on peut les republier. Et enfin, Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, explique que son combat à lui pendant 5 ans était justement pour la liberté. Et la liberté, dit-il, c'est ça, pas de censure. On termine avec La Fontaine qui a du souci à se faire. Mais oui, le Parisien a décidé de pourfendre un mythe sur lequel était fondée toute notre culture. Alors souvenez-vous, la cigale ayant chanté tout l'été, etc. Eh bien, l'Université d'Arizona est formelle. Après étude minutieuse des activités d'une fourmilière, les entomologistes ont conclu que sur 225 fourmis, 103 ne fichent rien. Et c'est pas parce qu'elle se repose après une activité, non, non, elle ne travaille jamais. Les entomologistes n'ont cependant pas établi s'il existait dans la fourmilière un brillant ministre de l'économie pour dénoncer le statut scandaleusement inadapté de ces planqués. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha.